Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes là? Bah ouais, on est là. Est-ce que les gens sont bien? On je crie veux... pas. Ah non, on ne crie pas. Non. Ah non. Est-ce que le son est bien? Oui, on est bon. Alex. Comment ça va? On a vécu des moments historiques. Oui, bah là, il y en a un petit là. Mais là, il y a un petit moment historique. Bonsoir à toutes et à tous. À toutes et à tous, installez-vous tranquille ou bilou. On est ensemble pour vivre ce grand moment d'histoire. La NBA Draft Lottery qui va avoir lieu à 2h. 2h, on sera ensemble à 2h. 29 minutes. Exactement, la tension est palpable. On est comme ça, on a les miquettes. On a parlé depuis des mois de Victor Wembanyama. On a vu du tanking Alex dans tous les sens. Ça y est, dans une demi-heure, on saura quelle est l'équipe qui va sélectionner en premier de la draft et donc quelque part qui va sélectionner Victor Wembanyama. A priori, oui. Enfin, disons que de ce que je comprends, si un GM récupère le first pick et ne prend pas Victor Wembanyama. Il y a moyen qu'on rigole quand même beaucoup le soir de la draft. Là, c'est quoi? C'est 22, 23 juin? Le 22 juin. Le 22. Jeudi 22 juin, on sera ensemble pour vivre ce grand moment. Il y a plein de choses qu'on doit débriefer. Brandon Miller? Scoot Anderson? Les Rockets l'ont encore fait? On va devoir débriefer plein de choses. On va être ensemble de maintenant 1h30 jusqu'à 2h. Je rappelle pour celles et ceux qui ont Bein Sport que c'est diffusé sur les antennes de Bein pour ce grand moment, ce moment historique. Nous, on a du Bein, on a du ESPN, tout ce qu'il faut. Donc, pendant cette demi-heure, on va discuter un petit peu. On va revenir évidemment sur les explications de la loterie. On va vous poser des questions aussi un petit peu, réchauffer un petit peu avec la famille, savoir où est-ce qu'on veut voir Victor Wembanyama. Alex, ce lundi, déjà, on avait fait une bonne grosse émission quand même. On a fait une bonne grosse émission pour essayer de décrire un peu les fits potentiels parmi les équipes qui ont une chance même infime de choper Victor Wembanyama, parce que vous savez hein, c'est une loterie, donc par définition tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances. Hein, clairement on a 14 équipes seulement qui peuvent avoir Victor Wembanyama. Tout à fait. Peut-être moins en fonction de, des éventuelles protections, de comment ça se passe. D'équipes qui sont à avoir au buzzer, tout ça. On a une équipe qui pourrait rentrer dans la loterie, mais dans des conditions bien spéciales. Oh là là. Salut les Knicks. Oh là là. Oui. On verra, tout à fait. Avec tout un tas de protections. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va s'éclater à 2h, donc on aura la loterie. Pour expliquer, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont suivi les loteries précédentes avec nous. Alex, on en avait fait une il y a quelques années, je crois que c'était pour Zion. Ouais, on avait fait Zion. Les Lakers montaient, ouais, on était là genre, tiens, pour transfert de l'équipe. Quatrième cette année-là, je crois. Pour essayer d'avoir du Anthony Davis. Cette année, les Lakers, ils ne peuvent pas être dans la loterie. Enfin, ils ne peuvent pas être dans les 14. Là. Non. Cette année, ils ne peuvent pas. Et de toute façon, leur pick allait à New Orleans. Oui, donc, on reparlera des Pelicans dans quelques minutes. On va discuter de plein de choses. On va revenir sur les probabilités par franchise. On va aussi expliquer ce qui se passe autour de Wembanyama. Parce qu'on parle beaucoup en France de l'aspect Wembanyama. Mais Alex, il ne faut pas l'oublier. On attend le numéro 1. Mais c'est une draft complète qu'on va commenter le 22 juin. Il y aura d'autres Français. Mais il y a aussi des phénomènes américains. Les Scoot Anderson. Scoot Anderson, Brandon Miller, faut voir. Les frères Thompson. Ouais, les frères Thompson. Cam Whitmore, moi j'aime bien. Tout à fait. Anthony Black aussi, je crois que j'aime effectivement, bien. Effectivement, il y a le first pick. Donc on va savoir, a priori, l'équipe qui est en premier va prendre Victor Wembanyama. Mais il y a de l'enjeu. Je veux dire, tu as des équipes, elles sont là, elles ont la proba pour être peut-être 1, mais 2, 3, 4, 5. Si elles ne sont pas dans le top 5, c'est quand même bien les boules. Et on sait que tous les ans, il y a une équipe un peu qui se fait un peu fourrer le soir de la loterie et qui se dit... Comment ça j'avais... Ça fait 8 mois que je tanque comme un comment blaireau. Ça j'ai le pick 7. Salut Washington. On pourra discuter évidemment de cette équipe qui va se faire avoir. On aura le temps de débriefer à chaud, savoir déjà qui va récupérer Victor Wembanyama très probablement avec le premier choix. Et ensuite les équipes qui vont devoir batailler. Alex, on le rappelle aussi, très important. Un choix de draft c'est bien, mais bien drafté aussi c'est très important. Parce qu'il y a des équipes qui sont très très bien draftées, très bien situées dans chaque draft à la loterie, mais qui ensuite ne prennent pas le bon joueur, faut avoir du nez fin. Faut avoir le nez fin. T'as toujours les mêmes théories. Est-ce que tu draftes au talent ou donc au potentiel? Est-ce que tu draftes au fit parce que tu as déjà une équipe un peu constituée et t'as juste envie d'une pièce pour la compléter? Là, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, comme je l'ai dit, en 1, quelle que soit ta raquette, tu prends Wembanyama. Ah, mais bien sûr. Et franchement, en 2, tu prends Scoot Anderson. Scoot Anderson et Wemby sont les deux. Après, je peux me tromper. Non, hein, mais c'est vraiment les deux principaux favoris. On est d'accord. Wemby en 1, Scoot Anderson en 2. On rappelle que Wembanyama, il y a quelques mois, disait Scoot Anderson, super joueur. Il serait numéro 1 de la draft si j'étais jamais né. Ouais, si je jouais pas au basketball. Tout à fait. Et Scoot Anderson considère que c'est le joueur le plus complet et le meilleur de cette draft. On va commencer, Alex, par le principal. Rappeler les probabilités. Vous voyez le tableau ici, il est magnifique. Oh là là, il y a plein de données. Alex, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce qui
se passe sur cette colonne de droite? Vous la voyez là, le 14%. Alex, qu'est-ce qui se passe pour Détroit, Houston et San Antonio? Comme vous voyez en haut, c'est le hashtag one overall, c'est-à-dire la probabilité que chaque équipe a d'avoir le pick numéro 1, mm-hmm. le choix 1. Donc on voit qu'il y a 3 équipes à 14%. Tout à fait. Les Hornets viennent derrière, donc les 3 équipes, hein, c'est Pistons, Rockets et Spurs. Mm-hmm. Les Hornets viennent derrière, ils sont à 12,5% tout à fait. D'avoir le pic 1, ensuite on a les Blazers à 10,5%. Tout le monde après en dessous de 10, mais bon, Orlando en fait à 9%. Après on tombe un peu plus vite, les Pacers, tout ça. Voyez, et ce qui est intéressant, c'est la colonne juste à côté, c'est le pourcentage de chance d'être dans le top 4. Eh oui. C'est important. C'est très important. Pourquoi, Alex? Bah, c'est important parce que, notamment, par exemple, je prends un exemple, là, on voit qu'en 11... Mm-hmm. Je remets. En 11, on voit que il y a à côté du pic des Bulls, il y a une petite flèche et il y a écrit Orlando. C'est parce que il y a une petite protection. Et si je dis pas de bêtises, si ce pic rentre dans le top 4, les Bulls gardent leur pic. Donc tu vois, je me concentrais pour sûr, en gros les sûr. Protéger 1-4. Mm-hmm. Après, il faudrait un sacré exploit, il faudrait un sacré coup de loterie là, pour que les Bulls se retrouvent à monter dans le top 4. Comme déjà vous pouvez connu, le voir, ils ont 8,5% de chance bien sûr. De garder leur pic. Dans tous les autres cas, le pic 11 des Bulls ira à Orlando. Exactement. Donc, Orlando pourrait avoir 2 pics dans cette loterie. Même, j'ai envie de dire, devrait avoir deux pics dans cette loterie. On va suivre tout ça. Il y a des protections pour plusieurs franchises. On sait qu'à Dallas aussi, il y a des gros enjeux. On va y revenir. Mais donc oui, en effet, on a ces probabilités par franchise. Alex, c'est important de rappeler que dans l'histoire de la loterie, on en a eu des surprises. On en a vécu ensemble. Tu as dit Magic. Notamment qu'il y avait cette histoire par rapport aux Lakers qui montent. Mais parfois, on a des équipes aussi qui n'étaient pas du tout attendues en numéro 1 et qui sont montées numéro 1 justement en 93 avec l'Orlando Magic. Orlando Magic, l'année d'avant, ils ont Shaquille O'Neal. Tout à fait. Premier pic, pas de problème. Du coup, bah, ton équipe, elle est un peu boostée. Ça va. Quand même, tu fais un bon truc, mais tu vas pas en play-off, tu te retrouves encore à la loterie avec un pourcentage de 1,5%. Comme vous pouvez le lire là sur le magnifique nouveau site de Trash Talk à l'écran. Hein, vous pouvez y foncer d'ailleurs sur le nouveau site. Vous pouvez aller incroyable. Faire un tour. Il y a beaucoup de choses nouvelles et très belles. Tout à fait. Ça va vite hein, quand tu cliques, là, ça rigole plus du tout. 1,5%, t'as déjà le chac, et bim! T'as le first pick encore. Eh oui. Ils ont pris Chris Webber, qu'ils ont tradé tout de suite aux Warriors pour récupérer Penny Hardaway, puisque Shaq avait fait un film avec lui l'été d'avant. Il avait dit « Oh, j'ai un talent à vous proposer, il s'appelle Penny Hardaway, je viens de faire un film avec lui, il est incroyable. » Il avait dit, Shaq a dit « J'ai appelé mon GM et je lui ai dit « I will make you an offer you can't refuse. » Le mec se croit dans des films depuis sa naissance. C'est extraordinaire. Incroyable. Il raconte ça. Ouh, j'ai appelé GM parce que là, je lui ai dit, attends, c'est chez moi ici. Évidemment, tous les copains et copines qui nous rejoignent, bonsoir. Je rappelle que la loterie commence à 2h du matin. Merci à Terry You et aussi à Bernabix qui balancent des subs dans tous les sens. Ceux qui envoient leurs subs, vous êtes des amours. Je rappelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, que les Bulls peuvent monter dans le top 4 pour conserver leur pic. Oui. Ils ont déjà connu une histoire comme ça. Est-ce que vous vous souvenez de Derrick Rose? Nous sommes en 2008 et les Bulls, qui avaient 1,70% de chance de finir top 1, eh bien, ils ont entubé absolument tout le monde et Chicago s'est retrouvé avec ce fameux pic. On avait la discussion entre Michael Beasley et Derrick Rose. Le gamin de Windy City a fini avec le meilleur des Bulls. 3 ans après, il était MVP et 4 ans après, sa carrière, elle avait pris un sacré coup au genou. Ben, ça, c'est les aléas. Mais c'est vrai que les Bulls cette année-là, ils ont défié les probabilités, attention. Complètement, et tous les ans il y en a. Regardez ensuite sur l'année 2011, y a-t-il des fans des Cavs qui sont encore là? Alors les Cavs ne sont plus trop concernés par la loterie maintenant qu'ils ont bien reconstruit. Mais les Cavs en 2011, tu as perdu LeBron, tu as 2,80% de chance, tu avais fait un petit transfert avec les Clippers et paf, tu te retrouves avec un numéro 1 de draft qui va être... Et qui va être Kyrie Irving. Excuse-moi, j'étais en train de regarder pour donner une idée aux gens, hein, 2,1% de chance. C'est comme si cette année, grosso modo, Dallas, bim, first pick. Tout à fait. Grosso modo. Alors attention, les fans des Mavs sont en train de grosse situation de sanguine dans l'entrejambe. Bref, dans l'histoire, vous le voyez, il y a des montées. Alors on focus beaucoup sur le numéro 1 et on va en parler dans quelques minutes, mais il y a des équipes qui peuvent monter top 2, top 3 et ça peut changer beaucoup de choses. On le dit souvent, Alex, et on en a parlé pas mal dans l'émission de ce lundi, la loterie fait partie des événements les plus sous-estimés alors que pourtant l'impact sur l'histoire de la NBA est énorme. Bah, disons que vu le système de draft qui permet aux équipes les moins fort de la régulière d'avoir les meilleurs choix et donc a priori
Hein, j'ai bien dit a priori, parce que c'est pas toujours le cas. Mais a priori, les meilleurs joueurs, c'est clair que si t'as fait une saison un peu moyenne, dans le paquet, là, comme je sais pas, Oklahoma City ou Toronto, ouais, mais que sur un petit coup de chance, là, ton 1,7% de chance, il t'emmène dans le top 3 ou dans le top 5, c'est plus la même ambiance derrière. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ce qu'a fait Toronto à Tampa Bay, où ils se sont retrouvés à bien tanker sur la fin de saison et top 4, Scotty Barnes. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc les équipes qui n'ont pas trop tanké et qui ont hésité, attention, ça pourrait backfire, comme on dit. Mm-hmm. On va revenir justement sur ce tableau qu'on vous remet. Je rappelle évidemment que vous avez la loterie à 2h. Je vois qu'il y en a dans le chat qui disent qu'ils ont commandé leur casquette trash talk. Vous pouvez foncer sur le shop. C'est la base de base. Comme on le disait, deux choses importantes à retenir. Nous avons les Bulls qui sont ici donc en 11. Il faut qu'ils puissent monter dans le top 4 pour avoir leur pick, sinon 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça reviendra Orlando. Ouais. Dallas, on est en train de claquer des dents. Pourquoi, Alex? Parce qu'on les a vus tanker salement sur la fin de saison. Qu'est-ce qui se passe si Dallas n'est pas top 10? En fait, exactement. C'est-à-dire, si Dallas n'est pas top 10, c'est-à-dire, vu comment, on va quand même expliquer comment la loterie fonctionne. C'est-à-dire que là, au moment où on parle, il y a des boules qui sont brassées façon Motus. Ça te sort des combinaisons, et bref. Et il y a un ordre qui est en train de se mettre en place. Nous, on ne visualise pas le tirage ce soir, le tirage des boules. Tout ce qu'on va visualiser à 2h du mat, c'est M. Tatum, l'adjoint de M. Silver à la NBA. Channing, hein, pas Jason. Ouais. Mark, pardon. Mark, parce que Channing, c'est pareil, c'est pas lui non plus. Pardon. Channing, c'est le mec qui fait, exploser la, qui fait exploser la Maison Blanche. Tout à fait. Qui fait des striptease devant les femmes. Exactement. Si, par un grand malheur pour les Mavs, les Pelicans, Toronto, Oklahoma City ou Chicago, donc Orlando, monte à minima d'un cran, ça veut dire que ça fait glisser Dallas en dehors du top 10. Et si Dallas glisse en dehors du top 10, le pic va à New York. Peut aller, je crois, bien du côté de New York. Je vous laisse confirmer, mes amis les Mavs. Mais c'est New York, donc, il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, comme l'a dit Alex, on va maintenant vous expliquer en speed, parce qu'après on va parler de Wembanyama, de comment ça va se dérouler. Est-ce qu'il y en a, juste, je pose la question dans le chat, est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première loterie? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première loterie de l'histoire? Vous êtes 10 000 à nous rejoindre, il est 1h du matin, 1h30 du matin, et c'est ça la folie de la NBA, c'est qu'on est 10 000 à avoir des balles de ping-pong. Plein de gens, c'est la première loterie. Il y a plein de gens, parfait. Ouais, vous savez ce qui va se passer? C'est simple, si vous avez Beansport, vous y allez, vous allez regarder, à partir de 2h, la loterie va démarrer. On va avoir donc, comme l'a dit Alex, non pas Channing Tatum, non pas Jason Tatum, mais Mark Tatum, qui va arriver. Et on va donc avoir Alex, parce qu'on est quand même aux États-Unis, il faut, merci Don Papa qui est là, qui envoie des subs, et toute la team du TTF Lab. On va avoir un ordre donné de 14 à 4, c'est-à-dire qu'on va avoir les équipes 14, ça va aller très très vite. On va avoir des enveloppes et on va avoir équipe des 14, exactement, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4. On s'arrête à 4 parce qu'il faut faire durer le suspense. Ensuite, il y a une petite pause publicitaire qui coûte 1 milliard la seconde. Ah bah là, attention. Ah, c'est plus cher que sur Trash Talk. Et encore. De justesse. Et encore de justesse. Mais c'est là qu'on a tout le suspense, parce que c'est en effet là qu'on va voir quelles sont les équipes qui peuvent essayer d'avoir Le top 1. Il nous en restera 3. Oui. Et voilà. Et on attendra l'ordre exact de ces 3 équipes, parce que c'est là que ça commence à être rigolo. C'est là que ça va commencer à être très très drôle. Il y a plein de copains qui nous disent foncez voir la loterie sur le live Twitch de Trash Talk. Vous êtes des choubidous. Merci à toutes et à tous, bien évidemment. On va maintenant parler de notre ami Victor Wembanyama, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, à Paris. En tout cas, il est du côté de la France. Il n'est pas aux États-Unis. Il avait match ce soir, notamment avec les Metropolitans face au Paris Son Basket. Son dernier. Enfin, c'est dernier de saison régulière. C'est dernier de saison régulière, parce qu'après, il y a quand même des playoffs. Tout à fait, il y a les playoffs. Et donc, Victor Wembanyama, on a parlé tous ensemble depuis des mois. Alex en a parlé ce lundi. Je pose la question au chat et je te la repose. Pour toi, dans ton cœur, dans quelle équipe tu aimerais voir Victor Wembanyama? Qui tu veux là? Vraiment ton cœur, hein, pas ton pronostic, mais ton cœur vraiment. Qui tu as envie de voir là en Mark Tatum avec l'enveloppe numéro 1? C'est quel logo de franchise? Comme je l'ai dit là quand on a fait la vidéo lundi, moi, à titre personnel, en tant que fan de basket, je trouve que le fit naturel et le contexte global de la franchise fait que j'ai envie de voir Victor Wembanyama débarquer à Indiana chez les Pacers avec Rick Carlisle au coaching, avec Tyrese Haliburton, un meneur All-Star et altruiste
passeur bien sûr à la main, mm-hmm. avec un jeune comme Bénédicte Mathurin qui peut ou jouer sixième homme ou jouer arrière, qui est plutôt scoreur et tout. Et Wemby, là-dedans, tu me le mets 4, tu me le mets 5. Il y aura des soldats autour de lui. L'épaisseur, ça fait chier pour combien de temps, de toute façon, qu'ils veulent trader Miles Turner. Oh, peut-être que tu le gardes, non, pour avoir un besogneux qui joue en 5 tu avec peux, 4. Tu peux le garder avec, avec Victor Wembanyama qui joue effectivement poste 4. Mm-hmm. Tu peux aussi décider de trader et de te dire bah, mes soldats, ça sera Jalen Smith, Isaiah Jackson, ou je sais pas quoi. Il a des jeunes, hein, il a des jeunes athlétiques à mettre, donc pourquoi pas. Tout à fait. À voir ce que tu fais de Buddy Hill, mais Buddy Hill qui se balade comme ça autour de Tyrese Haliburton et de Victor Wembanyama avec sa qualité de shoot, c'est intéressant. Tout à fait. Donc moi, ouais, c'est clairement le fit Pacers me plaît beaucoup. En plus, j'aime bien marcher pas trop gros parce qu'il va y avoir beaucoup de pression sur Victor Wembanyama. On a vu Adrian Wojnarowski, là, Bastien, il me montrait ça tout à l'heure. L'autre, il s'est un petit peu emballé. Il était là, genre, the best prospect in the NBA history, in team sport history. Ce n'est pas des lol. Hein, il a vraiment dit ça. Je vous fais juste, incroyable. Je sais pas si on va pouvoir le montrer, le Voj. Voilà. Il dit que c'est vraiment la loterie la plus attendue de l'histoire de l'humanité, que c'est le joueur le plus attendu de l'histoire de l'NBA et que c'est peut-être le plus grand prospect de l'histoire des sports collectifs. Ouais. Tranquille. Moi j'aime bien le Vosges, il n'y a pas de problème, mais peut-être qu'on va commencer à se calmer, hein, parce que bon, j'adore Wemby, hein, si ça se trouve ça va être le plus grand humain de l'histoire. Mais peut-être qu'on va y aller mollo, non? Après, il emploie bien le mot prospect. Et ce dont il parle le plus, c'est au-delà même des qualités intrinsèques de Victor Wembanyama, de ses attributs physiques complètement hallucinants, de sa capacité de déplacement. Enfin, on va pas refaire le profil, mm-hmm. tout le monde commence à bien le connaître. Mais c'est plutôt la hype que ça engendre, ouais. même du côté ricain, du côté européen, parce qu'il est français et tout. Et c'est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux, les moyens de communication digitaux d'aujourd'hui, bon bah. Victor Wembanyama, le monde entier le connaît déjà. Tout à fait. Le type n'a pas mis un pied aux Pacers encore. Aux Pacers, par exemple, ou dans d'autres franchises, je vois qu'il y en a plein qui ont répondu. Évidemment, la Blazers Nation est à fond, la Spurs Nation est grande et forte et debout. Les Rockets veulent absolument récupérer Wemby. J'en profite pour faire le petit tour un petit peu la revue de presse. Vous avez vu les propos là du Vosges. J'en ressors un, peut-être que vous l'avez vu. Je l'ai montré tout à l'heure à Alex pour le faire marrer. Sean Aikin, qui gère notamment les Blazers, a dit il y a un membre d'un front office qui lui a dit aujourd'hui à la Draft Combine que si Victor Wembanyama avait un début de carrière à la Joel Embiid, on rappelle qu'il a eu beaucoup de blessures, s'il ne jouait pas du tout avant la draft, ça faisait 2-3 ans qu'il n'avait pas joué, et bien non seulement n'importe quelle équipe le prendrait toujours en numéro 1 de la draft, et en plus il pourrait lui mettre un contrat max sans même qu'il ait joué dès son deuxième contrat. On est sur ce genre de phénomène, et ça pour le coup ça m'étonne pas, parce que oui, Alex, on a discuté tout à l'heure en off, le mec propose tellement de potentiel que t'as pas envie de l'avoir nulle part ailleurs. Tu l'as, t'as le premier choix, tu le verrouilles. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt des mots, c'est qu'on parle bien de prospect, ouais. on parle bien de potentiel, et que après, ça va être tout le challenge pour Victor Wembanyama, ça va être de réussir à assumer toute cette pression, tout ce potentiel en NBA. Ouais. C'est-à-dire que attention aussi au côté déceptif de. Hein, il est qu'en 12 points, 8 rebonds lors de sa saison rookie. Ah, il touche pas tant le ballon que ça, parce qu'en fonction de l'équipe dans laquelle il va être et des joueurs qu'il va y avoir sur la ligne arrière et tout pour, mm-hmm. pour le nourrir et tout, on sait que la NBA est une ligne de ball handler et plutôt d'arrière et d'ailier. Ah ouais. Tu vois, à part bon, évidemment Nikola Jokic ou Joel Embiid, mais qui sont Yanis, des pivots dominants aussi ouais. Physiquement, pas que techniquement, ou Yanis effectivement. Mm-hmm. Et encore que Yanis, il dribble, enfin je veux dire, il est ball handler dans son style. Il est très ball handler dans son style à lui. Dans son style à lui. Hein. Bien sûr. Et donc, faut faire gaffe. J'ai vu des gens à l'inverse dire oui, mais non, attention, ça peut être un flop ou Wembanyama. Moi, un flop, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il est déjà beaucoup trop fort pour être un flop. Après, faut toujours faire gaffe aux blessures. Mais c'est bon, les blessures. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la loi du sport de haut niveau. Il faut pas se blesser. Hein. Ça, je suis d'accord. Rappel évidemment pour celles et ceux qui débarquent, il est 1h50. Dans 10 minutes, la couverture de la loterie va démarrer. Bein Sport, si vous l'avez, c'est dessus. Sinon, il y a du ESPN, il y a tout un tas de moyens. Vous y allez, vous regardez dans le ciel. On va commenter tout ça en direct. D'abord, les places 14 à 4, puis ensuite le podium 3-2-1 qui aura le droit de sélectionner Victor Wembanyama le 22 juin prochain. Je rappelle, parce que certains posent la question dans le chat, merci Augustin pour les petits subs, que nous avons une loterie qui va durer quelques minutes et ensuite ça va enchaîner. Pourquoi ? Parce qu'à 2h30, on a quand même un Game 1 de conférence Ouest entre Lakers et Nuggets. La NBA a dit, tu sais quoi, on va faire très simple, on va faire coverage, loterie, LeBron versus Jokic. La loterie, ça dure
20 minutes, 25 minutes, un quart d'heure. Voilà, en gros. Histoire de débrief. Ouais. Et après, ouais, ça enchaîne à Denver, dans le Colorado, Game 1. Les Nuggets accueillent les Lakers. On a vu là déjà que ça y est, ça commence. Darvinham, il a fait. Dennis Schroeder titulaire. Alors, il y aura Dennis Schroeder dans le 5. C'est ça. T'es prêt, Murray ? Donc, Jamal Murray sur les côtes. Et puis, on va essayer de faire danser les Michael Porter Jr. et les Jokic un petit peu sur pick and roll. Ouais. C'est ce qui est très attendu. Donc, c'est pour ça que si vous posez la question, ça ne dure pas une heure et demie. Ça démarre à 2 heures et ça va très très vite. Il faudra être bien concentré. Je vois aussi que certains le mentionnent dans le chat. Oui, Wembanyama, c'est bien. Mais il y a d'autres Français qu'on attendra le 22 juin. On en a fait un article complet que vous pouvez retrouver, les 14 joueurs français inscrits à la draft 2023. Quelques noms évidemment qu'on peut mentionner, Wemby avec les Metropolitans, Bilal Koulibaly, son coéquipier, Nadir Rifi, qu'on a évidemment vu avec le Portel, Enzo Charvrin, Armel Traoré, Eyan Benitez, Clément Frisch, on a William Bugre Cassi, Ilias Kamardine, Assemian Moulard, Romain Parmentello, il en a parlé tout à l'heure du côté de Lyon, Arthur qu'on va suivre de très très près, Biraj Masila, et puis à l'étranger, on avait vu Ryan Rupert, pareil de la team Comsport, si je dis pas de bêtises, avec Bouna Ndiaye et Madi Traoré. Ça fait du talent très attendu. Alex, soyons clairs, on a Wemby attendu en 1, on a Bilal Koulibaly attendu potentiellement en premier tour. Et il y a cette question autour de Nadir Rifi et de Ryan Rupert, parmi les joueurs les plus attendus de cette année. Après, faudra vraiment voir comment ça va évoluer, parce que en fait, là, au moment où on parle, on n'est qu'au début de vraiment la période. Oui, c'est Sissoko aussi, excusez-moi. Ouais, où les big boards vont beaucoup bouger. Et donc, quelqu'un qui est. On a vu des fois des mecs, on attend fin de premier tour. En fait, petit à petit, ils montent avec les. Est-ce qu'il va y avoir du draft combine et tout? Il va y avoir du test. Il va y avoir pas mal de choses. Il va y avoir des vidéos qui vont circuler. Enfin, tous les scouts vont se mettre sur la draft à fond, là. Et donc, évidemment, tu peux avoir du mouvement. Tu peux être attendu en fin de premier tour et être drafté à la fin beaucoup plus haut, genre autour de 15. Ou tu peux carrément dégringoler. Enfin, tous les ans, tu sais, on est là tous les ans, on fait putain, machin, il était attendu top 10. Oh là là, ils ont toujours pas appelé son nom, tu sais. Ouais, ouais. Tous les ans, on en a qui dégringolent. Tous les ans, on a des mecs qui sont pris plus haut que prévu. Donc, ouais, pour les Français, ouais, effectivement, Koulibaly, clairement. Et Rupert aussi très attendu en termes de prospects. Je pense que c'est des gars qui peuvent tout à fait se retrouver dans des équipes NBA à minima à faire la Summer League. Bien sûr, on va les attendre de très très près. Ça, ce sera le 22 juin, donc en deux temps. Ce soir, ce n'est pas la draft, c'est la loterie de la draft. Et ensuite, on débriefera tout ça. On rappelle évidemment que sur le mois de juin, on aura aussi la possibilité de faire des petits profil de draft sur les gros joueurs, histoire de vous présenter tout ça, et qu'il y a plein de gens qui font de l'excellent contenu. Il y en aura sur le site de Trash Talk aussi pour vous préparer à cette draft. Maintenant, évidemment, l'autre question que je pose, elle est moins sentimentale. Alex a parlé des Pacers. Moi, pour ceux qui le savent pas, j'en ai parlé lundi, j'aimerais bien le voir aux Hornets du côté de Charlotte pour plusieurs raisons. Avec évidemment, la Melo Ball à la distribution, équipe jeune avec potentiellement un gars de devoir en dessous en Mark Williams, une équipe, une franchise même qui est en transition avec Michael Jordan qui les sépare. Il y a quelque chose à construire du côté de Charlotte. Et puis, bon, bah, j'avoue que les matchs à 1h du matin, on préfère par rapport à 4h. C'est pas. Et puis le maillot, enfin, Pacers, ça va. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça, c'est par rapport à nos amis, par exemple, tu vois, de Portland. Ah oui, non, à qui je leur souhaite. À l'Est. Hein. À l'Est, à l'Est. Non, à l'Est. On voit bien Wemby à l'Est. S'il vous plaît, ouais. Un first pick à l'Est. C'est ça. Désolé pour les amis Blazers. Si ça se trouve, ils vont nous dire chè, on l'a récupéré. Je pose une question un peu vilaine. Mais vous savez, on aime bien aussi parfois poser des questions qui font pas trop plaisir. C'est pas pour tacler à droite à gauche. Je vous remets le tableau. Quelle serait pour vous la pire destination possible pour Wembanyama dans ce top 14? Où est-ce que vous ne voulez absolument pas le voir? Est-ce que vous allez vous dire, oh là là, il y a trop de ball handler dans telle et telle équipe? Ou alors ici, attention, ils vont l'utiliser comme un pivot bizarre? Ou alors cette franchise n'est pas assez stable? Je regarde un petit peu le chat pendant que Alex réfléchit un petit peu. Il y en a qui me parlent de Détroit, il y en a qui parlent de Houston. Je crois quand même que Washington, si on peut éviter. Washington, par exemple. Moi, j'éviterais bien Washington quand même, moi. Ah, Washington, quand même, c'est un peu le marasme là-bas, c'est un peu nimp, on comprend rien, on sait même pas qui est le franchise player là-dedans. Il y a des contrats un peu distribués, bah non. Il y a des contrats distribués un peu, pff, tu vois. Ouais. Genre, franchement, il peut arriver à Washington et être. Et Kuzma fait, bah attends, t'es gentil. Prends des bon. Numéro 3. Prends des rebonds. Ouais. Fais les poubelles, s'il te plaît. Prends des rebonds, Thomas Bryant. Non, c'est vrai que Washington, ça peut faire. Washington, moi, ça me fait bader, moi. Washington, je peux comprendre. Beaucoup de punchlines évidentes sur les Rockets
parce que cette saison ça a été un petit peu la punchline facile. Ouais, hein. Mais il y a eu changement de coach et tout. Il y a eu Udoka, donc on va voir, ils ont du cap space cet été, donc est-ce qu'ils vont bien utiliser pour essayer de bien entourer potentiellement un prospect comme Wembanyama. C'est fou, là dans quelques minutes on va justement découvrir qui va récupérer le numéro 1 de la draft. Moi à titre personnel, évidemment je pense qu'il va s'en sortir quelle que soit la franchise dans laquelle il est, mais je trouvais ça assez intéressant de voir notamment un papier qui est sorti sur ESPN dans lequel Buna NDA il disait bon bah on va pas laisser Wembanyama s'adapter à sa franchise, c'est la franchise qui va devoir aussi s'adapter à Wembanyama. Oui, je pense. Oui. Est-ce qu'il existe un scénario, Alex, qui est assez rare, mais dans lequel un joueur aussi dominant potentiellement que Wembanyama et aussi extraordinaire sur le papier peut mal démarrer et très vite demander avec son agent à partir de ce genre de lieu? Parce que souvent un joueur quand il est drafté, il est attaché à son équipe, ça se passe comme ça, mais avec un prospect aussi fort, attention. Ouais, bon après on n'en est pas encore là. Moi j'ai quand même bon espoir que la plupart des franchises qui sont en lice là pour avoir le pick one, s'ils chopent Victor Wembanyama, ça va être pour construire autour de lui. Oui. Donc je vois pas, à part justement les Wizards, où je vois bien du Bradley Beal et des gars comme ça ne pas forcément jouer le jeu du nouveau, de la nouvelle star qui débarque et qui prend trop de place à leur goût. Oui. Mais sinon, je suis assez serein. Je suis assez serein sur le fait que l'équipe qui va avoir Victor va avoir une réflexion pour construire autour de lui et essayer de maximiser tout ce qu'il peut apporter. Enfin, c'est complètement fou, hein. On en parle à peine, mais je veux dire, défensivement, il peut te changer ton équipe. Ah bah oui, au minimum, il peut te changer ton équipe défensivement. Voilà, au minimum, c'est ça, c'est le plancher. Le plancher, c'est un all defensive. Ouais. Y en a d'ailleurs, quand je parlais, si vous êtes curieux et que vous aimez les podcasts américains, je viens d'en tourner un qui devrait sortir bientôt avec David Aldridge et Marcus Thompson de The Athletic. Ils disaient que défensivement, ils avaient l'impression que c'était un Evan Mobley en très 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 grand. C'est pas mal. J'aime bien. Il y a un peu de ça, hein, quand même. Moi, j'ai trouvé la comparaison pas très très conne. Ouais. Parce que c'est vrai qu'Evan Mobley nous a montré tout de suite qu'il y avait ce côté vraiment tentaculaire. Il y a un peu de ça, je trouve. Il y a un peu de ça, il se déplace bien, Victor Wembanyama, c'est sûr. Et effectivement, dans la NBA actuelle, c'est très important. Parce que quand t'es grand comme ça, on va essayer de te faire switcher sur des plus petits joueurs et tout. Moi, j'ai l'impression que sur pas mal de joueurs, il peut tenir. Hein. Ah oui. Sur les plus rapides, on verra. Tout à fait. Attention au changement de rythme, hein, entre la NBA, la vitesse de jeu de la NBA et la vitesse de jeu de ce qu'il a pu connaître jusqu'à aujourd'hui dans le basket français et européen. C'est quand même pas la même ambiance. Tout à fait. Il y a la possibilité pour Wemby de mieux s'exprimer. Hein, quand on voit les Luka Doncic d'hier, par exemple, c'est plus facile de scorer en NBA qu'en Europe. Ouais. Je pense que ça va s'appliquer pour Wembanyama. Ouais. Là où j'ai un petit peu plus d'interrogation, comme tu l'as dit là, c'est un, le rythme, et de deux, pas le rythme dans les matchs, le rythme d'une saison. Victor ne sait pas ce que c'est, 82 matchs dans une saison, c'est énorme, il y a des corps qui peuvent vite flancher. Hein, et ouais, et puis un challenge nouveau tous les soirs, des équipes qui vont le cibler tout de suite parce que l'autre, il y a des joueurs, des jeunes joueurs, là ça les énerve déjà. Ah bah oui. Je recommence à Wembanyama, pardon, juste désolé, mais tu vois, il y a plein de joueurs, ils sont là, ils font mais non. Genre Evan Mobley, tu vois, par exemple, ou j'en sais rien, moi, tu sais, les mecs ont déjà un an, deux ans, trois ans de ligue. Plein, bien sûr. Et puis là, on leur dit, bah attends, il y a le nouveau là, c'est fini, les gars, vous êtes morts. Il y a un nouveau qui est plus fort déjà. Tout à fait. Là, genre, ils vont vouloir le chercher, hein. C'est normal. Ah bah oui. Et il faudra s'attendre à ça, à cette courbe médiatique assez exceptionnelle, c'est qu'on va avoir des matchs, des premiers où la moindre action sera isolée. Et puis, Alex, il va falloir aussi qu'on accepte le jeu, c'est normal, et on va devoir aussi le jouer en France, de premières contre-performances de Wemby qui vont être très ciblé. Je veux dire, premier match de Wembanyama à 9 points et 6 fautes, tout le monde va dire c'est Sean Bradley. Voilà, c'est ça, exactement. S'il se fait dunker dessus aussi. Parce que t'as des gens qui vont pas hésiter à tenter leur chance. Ja Morant, fois qu'il range son Desert Eagle, il va avoir une tête dessus. Ja Morant, ouais. Enfin, pour la saison 2024-25, alors. Ah oui. Là, à Taïwan, avec Dwight. Avec Dwight. Dwight, il a happé d'ailleurs. Hein. Il a dit viens Ben Simmons, viens. Non c'est sûr, il faudra s'attendre à ce jeu là mais bon, tout ça est extrêmement fascinant. On est à une minute du début de la couverture, alors évidemment ça ne va pas commencer à 2h pile, à 2h il commence à y avoir l'émission sur Beansport, sur ESPN. On va avoir quelques petites interviews, hein. On a aussi des représentants, Alex, si je ne dis pas de bêtises, je vais te les mettre juste sous les yeux. Dis-moi. Je me permets, parce qu'on a des représentants pour chaque franchise. J'ai vu qu'il y avait Brandon Roy pour les Blazers. Eh oui, il y a un petit côté un peu porte-bonheur pour certains. Ouais. Je te les remontre juste si Brandon parce que Roy ramène le first pick aux Blazers, eh oui.
franchement. Je te les remonte juste parce qu'on a du côté de Charlotte, on a Mark Williams, donc le pivot. Du côté des Bulls, d'Allen Terry, lui aussi rookie. Jeune, qu'est-ce que c'est que ça? Hop là, boum. Du côté de Dallas, c'est Nico Harrison, qui est donc le GM. Qui est donc le GM, tout à fait. Détroit, Ben Wallace. Ben Wallace, bien ça. Ben Wallace pour représenter évidemment nos amis les Pistons. Let's go. Ah bah non, tu peux pas venir. Houston, ce sera Ime Udoka. Fraîchement arrivé, fraîchement servi. Nouveau coach. On va voir s'il prend tout ça alors que ça va commencer justement. Mais Udoka, s'il repart avec le first pick direct là. Ah, il est efficace. Les gars, il est efficace. Les gars. Elle est où la stagiaire? Tyrese Haliburton représentera les Pacers. On va voir s'il a tout de suite l'association avec son nouveau pivot en tant que numéro 1. C'est énorme ça. Incroyable. David Griffin, le vice-président des opérations basket des Pelicans, qui viendra du côté de Oklahoma City. Ce sera Nick Collison, légende absolue. Ouais, c'est bien ça. Évidemment, Orlando qui va envoyer Jamal Mosley, le coach. Le coach, ok. Très très bien. Portland, donc Brandon Roy. Bien. Santonio Peter Holt, le managing partner. C'est, c'est l'un des proprios avec le commercial, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, c'est la compta. On a envoyé la compta à Santonio. C'est bien le style non, de Santonio. Non, mais Peter Holt, c'est vraiment. Dans le fun. C'est un des. Non, mais c'est un des porte-bonheurs passés. Ah oui, d'accord. Toronto, Bobby Webster, qui est donc le general manager qui travaille main dans la main avec Masai Ujiri. Du côté de Utah, c'est Colin Sexton. Et enfin, pour Washington, c'est Weston Sell Jr., qui donc, pour ceux qui ne le savent pas, est toujours le coach toujours des Wizards au moment où on parle. Ça va commencer. Monty s'est fait virer, Budenholzer s'est fait virer, Doc Rivers s'est fait virer, mais Weston Sell Jr., lui... Et tu remplaces. Ça reste. Son fond de jeu a fait la différence. Pourquoi changer une équipe qui perd? C'est incroyable. Allez, on vous remontre une dernière fois le petit tableau. Il est juste ici. On va vous commenter tout ça. Voilà, il y en a qui sont sur Bein 5. Merci aux copains, aux choupinous sur le chat qui le disent. Si vous avez Bein Sport, vous y allez. C'est sur Bein 5. Et si vous n'avez pas de lien, vous débrouillez entre vous, entre copains. C'est parti. Je rappelle qu'elle est du côté de Chicago, hein, cette loterie. Je parlais avec David Aldridge tout à l'heure qui me disait je ne suis Jordan, pas à Washington. Hein. Ouais, tout à fait. Ah bah, c'est pas des Roseanne, hein, je peux te le dire. Ah bon? Non, il n'y a pas encore de statut. Mais David Aldridge, j'en parlais tout à l'heure, qui disait bon bah voilà, oui, moi je suis du côté de Chicago parce que bah, je vais être là. Alors que là, on voit les futurs rookies, enfin oui, certains des futurs rookies. Scoot Anderson et les frères Thompson et Brandon Miller qui vont être là. Alors que là, il y a un gros plan sur la Tour Eiffel avec le dernier match. Et on revoit les petits highlights, voilà, Today in Paris. Donc c'est Wimby, quand même. Il lève les bras, Dunk. Hein. Tout à fait. Ah non, mais vraiment. C'est vraiment. Et quitte à aller dans le multiverse total, il y a la Tour Eiffel et Marcel Cerdan sur ESPN devant Kylian Mbappé. Ouais. Oh, voilà, c'est vraiment c'est la totale. Il y avait Kylian Mbappé ce soir, justement, du côté de Marcel Cerdan pour voir le phénomène Wimby. Il y avait Omar Sy aussi, il y avait Cracheur de Feu, Bouglione. Enfin, ouais, total. Quoi. Nous y sommes, Alex. Nous y sommes, c'est parti. On espère que vous avez bien évidemment tout. S'il y a des petits décalages, vous inquiétez pas, c'est normal. Là, on est sur le plateau d'ESPN, notamment avec Adrien Wojnarowski et Richard Jefferson. J'ai mon petit cahier pour noter. Normalement, je suis censé rayer les pels en 14. Oui. Si je raye pas les pels en 14, c'est déjà le merdier. Tout à fait. C'est déjà le merdier. Et soyez patients avec nous. Il va y avoir des jeux de... Attends, comment ça? Ils sont 8, ouais. Eux. Ah oui, mais je comprends rien. C'est n'importe quoi. Je me suis rouvert un petit encaton et c'est bon. J'ai tout oui. ce qu'il faut pour travailler. Exactement. On va se régaler. Eh ben, vous voyez, il annonce le reveal, il est dans 14 minutes. Donc on a 14 le temps. 14 minutes. Ah ouais, ouais, jusque-là, ouais, ils vont faire de la. Oh là, okay, on a là, alors là, il y a le Vosge qui t'explique que LeBron, c'est de la merde. Kobe, c'était un petit joueur. Et que Wendy. Allen Iverson, machin, c'est Victor Wembanyama. On n'a jamais eu ça depuis Hercule. Ouais. Entre Achille et Hercule, on fait un plan à trois. Achille, Hercule, quand j'avais Wembanyama. Twitter en 88. Achille, Hercule, Héraclès. Non, 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 à mon avis, ils vont prendre un petit peu le temps, mais c'est normal pour faire un petit peu monter la sauce. On rappelle évidemment sur l'actualité que si vous n'avez pas été checké tout ce qui se passe sur Trash Talk, qu'est-ce qu'on a? On a de la vidéo concernant la preview de Miami-Boston Game 1 ce mercredi soir, que là, on a donc dans une grosse demi-heure un petit Lakers-Nuggets. Miami-Boston, elle n'est pas sortie encore, si? La vidéo? Non, c'est demain. Tu t'es emballé, là? Ouais, j'avoue. Mais sinon, il y a la vidéo qui est disponible là, pour le coup, parce que sinon les gens ils vont chercher la vidéo. Sinon les gens ils vont chercher la vidéo, ça va être incroyable. Sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Donc non, non, vous énervez pas. Non, il y a la vidéo Nuggets Lakers. Ah, ce qui va être encore plus incroyable. De la preview. Je vais mettre maintenant. Sortie. Je vais faire de la. Je vais qu'est-ce faire du setup incroyable pendant que tu vas mobiliser. Ah, ça marche pas. Ah non, mais t'inquiète ESPN. Pas. Ah bah non, mais du coup ça va être exceptionnel. Allez. Je vais tout simplement faire donc, le passage sur Bein. Sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Actuellement, tout qu'est-ce fait. Que vous avez? Vous avez depuis ce midi
Oui. Vous avez une preview. Ouais. Nuggets, Lakers, analyse fine. C'est vrai, je me suis un peu emballé. Point tactico-technique, joueurs à suivre et compagnie, vous savez, pronostic, l'avenir et compagnie. Exactement. Vous avez aussi une magnifique vidéo qui date, elle, de lundi, qui parle des Sixers. Et de leur très très belle sortie de route en playoff. Bien sûr. Franchement, le petit rendez-vous annuel de mi-mai, où on se fout de la gueule de Doc Rivers, de Joel Embiid et de James Harden. Le petit classique. Franchement, ça fait plaisir. Comme on aime. Et puis aujourd'hui, on a sorti une vidéo sur la sale sortie de route des Warriors et la sale sortie de route des Suns, en essayant de se projeter un peu sur l'avenir de ces deux franchises. Donc il y a de quoi faire, mais il n'y a pas encore la preview Celtics Heat. Hein. Ah oui, non, il va falloir attendre un petit peu. Je me suis un peu emballé. Est prévue pour demain midi. Hein. Elle sort demain midi, vous inquiétez pas, il y aura tout ce qu'il faut. C'est vrai, je me suis un peu emballé. Alors là, c'est absolument génial. J'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis au niveau du stream, parce que là, je me suis fait planter à la dernière seconde. C'est génial. C'est-à-dire que... c'est que là, je vais essayer de voir. Attends, je vais essayer de rebrancher tout ça. C'est pas grave, on va suivre la loterie sur Twitter. On va la commenter après en live, il n'y a pas de souci en fait, non. Franchement. Bah tiens, NGTS, si t'as un lien DM, balance si tu peux, comme ça on sera bien sur Twitter. C'est ça qui est beau. Ah, les aléas du direct. C'est ça qu'on aime bien. Le League Pass, ça marche ? Ah, le League Pass, ça marche ? Je sais pas. Ah, mais il va avoir un décalage de fou, non ? Ah, je sais pas. Je pense, hein. Je pense, laissez-moi retrouver. Non, parce que j'étais en 5, ça fonctionne apparemment. J'étais en direct là sur ESPN, c'était très bien. Bean, bah ouais, mais le problème c'est que là. Allez, je vais aller sur Tweetui et on va voir si les gens sont agréables. Ils vont balancer normalement ça bien comme il faut. Ah, envoyer un lien, Julien, c'est parfait. Ça, c'est des gens, tu vois. Ça, c'est des gens efficaces. Ça, c'est des gens. Il y a des gens efficaces. Si jamais. On fait un peu de technique, tranquille. Incroyable. Sinon, ouais. Ah bah non, je vais avoir un access denied. Attends, je vais faire un peu de tech, ça va être formidable. C'est ça qui est beau. C'est sympa. C'est... Eh ben, okay. Dis-moi. Si jamais, si besoin. Je sais pas s'il y en a qui sont dans mes DM. On va voir. Pouf. Ça marche pas. Non, mais t'inquiète. On va de toute façon aller dans 13 minutes. Donc j'ai le temps de venir. Regarde. Normalement, t'as des gens qui sont quand même assez efficaces et qui nous envoient ça. Ce site est inaccessible. C'est ça qui est bon. VIP League. Attends, bah ouais, mais Watch Channel, normalement je vais être bon. Ça, c'est le League Pass. Oui, bah oui, normal. Bah après, si le League Pass ils le font, tu penses qu'ils le font ? Ah, mais ils le font via NBA TV ? Je pense, ouais. Peut-être qu'ils le font, je vais voir. Je vais devoir un petit peu faire de tech, mais c'est normal, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Tiens, c'est quand même assez étonnant que ça me fasse ça. Ah, voilà. Ça y est. Voilà, ok. Mais bon. On y est. C'est normal, j'espère qu'elle n'aura pas trop retard. Au pire, je vais aller regarder sur d'autres liens. Ouais. Donc, comme on le disait, parce que je vais pouvoir quand même remontrer toute cette merveille, si je dis pas de bêtises, on a ici notre top 14. Alex, on rappelle qu'il y a. J'ai vu qu'il y a certains managers qui ne souhaitaient pas que Santonio le récupère parce qu'ils ont déjà eu Tim Duncan et David Robinson et ils ont dit c'est bon, ça va, vous avez défoncé tout le monde pendant tout ce temps. Bah ouais, mais ça s'appelle une loterie hein, avec des pourcentages et San Antonio fait partie des trois équipes qui ont le plus de chance. Donc on n'y est pas allé à moitié. Je veux dire, si San Antonio récupère Wembanyama, ça sera tout sauf une immense surprise. Ils font partie des trois équipes qui ont les fameux 14%. On est d'accord. Donc là, non, ça serait une surprise si par exemple, je te dis, ouais, tu vois, si, je sais pas, moi, les Bulls nous font un coup incroyable ou les Pelicans nous font un truc du. Tu sais, qui, ou je sais pas. Ou un truc qui serait cool aussi, moi qui pourrais me faire kiffer, c'est Oklahoma City. Ah ouais. Tu vois, le bon truc qui vient de loin là, où on fait ok, attends, pardon. Donc ils ont un All-NBA First Team, ils ont Josh Giddey, ils ont des mecs pour lui filer le ballon, ils ont Chet Holmgren à mettre à côté dans la raquette. Est-ce que ce serait pas too much ? Ils vont nous faire un truc trop bizarre. Pas too ça much. Serait vraiment rigolo. Pas ouais. Too much ? Bah, comment ça ? Pourquoi too much ? Trop, tu vois. Ouais, bon, après à eux de faire le tri, hein. Moi, je veux ça bien. Serait quand même marrant. Après, je veux bien tout à fait pour OKC. Hein. C'est vrai que si le Thunder récupérait ça en termes de hype, ce serait énorme. Ils ont 1,7% le Thunder de récupérer le numéro 1 de la draft. On est sur 8 minutes à peu près avant que ça parte. Je vois qu'il y a un potentiel tweet de Wemby. Je vais aller voir ça tout de suite. Ce sont ses peut-être dernières réactions avant justement cette grosse draft lottery. Ah bah oui, ça y est, il a mis du emoji loading, comme on dit. Hein, oui. Je vais vous montrer ça, bah, c'est normal. L'autre, il est en train d'essayer de d'attendre. C'est sa vie qui va être déterminée. Et Alex, on en parle pas assez, je trouve, mais quand on en discutait tout à l'heure avec David Aldridge notamment, il dit, il y a la vie de la famille de Victor Wembanyama qui change,
Mais pas que la sienne. Il y a toute une franchise. Il y a eu des chiffres qui sont sortis comme quoi tu pouvais changer la thune. Le business, le marketing. On l'a vu avec LeBron à Cleveland. Les produits dérivés, enfin, toute la folie que ça va engendrer. Enfin, il est clair qu'il y a une franchise qui, là, ce soir, va se retrouver avec le first pick de la loterie et va être en tête d'affiche, là. Ouais. Genre, déjà, là, pendant 24 heures. Ouais. Ensuite, les playoffs vont reprendre un petit peu leur... leurs droits, et ensuite on va arriver dans la période de la draft où cette franchise va être en mode bon bah nous de toute façon on a le first pick, donc nous on est détente, voilà, on est peinard, démerdez-vous les autres, exactement, faites donc du scouting les autres. Allez vous débrouiller avec le reste de la draft, on sait déjà qu'il y en a en un. Wemby qui envoie donc le petit sablier, il est juste ici, il est prêt, il est chaud. Victor Wembanyama, je vois qu'il y en a plein qui font le taf fort dans le chat pour dire si vous avez besoin de liens pour suivre ça, allez-y dans les DM, vous vous débrouillez, mais vous faites en sorte que dans très exactement 6 minutes 40, eh bien vous soyez présent devant l'écran pour voir quelle est l'équipe qui va récupérer le numéro 1 de la draft. Alex, historiquement, quand on regarde un petit peu les numéros 1 de la draft, très souvent, tu as quand même une bonne probabilité de finir au Hall of Fame. D'être All-Star déjà. Être All-Star c'est bien. Ouais. Et ensuite au Hall of Fame, ouais, c'est tout à fait possible. On les fait, on en fait certains de tête un peu. De quoi? Kareem Abdul-Jabbar. Ah oui. Shaq. Ouais. Duncan. Ouais. Allen Iverson. Ouais, Tim Duncan, tu l'as dit. Allen Iverson, je pense qu'il va. Ouais, je pense qu'il va être. Hakeem Olajuwon, c'est bon. Ouais, je pense que LeBron James, il va aller au All-Star Game. Au Hall of Fame, non, tu crois? All-Star Game aussi. All-Star Game, il y est allé. Tout à fait. David Robinson. David Robinson, c'est un numéro 1 de draft. Grant Hill n'était pas. Non, c'est qui non, qui est un de cette. C'est Glenn Robinson. Glenn Robinson, il est pour le coup. Voilà. Je te confirme. Patty Wing, tout à fait. Tout à fait. Je vois que certains en balancent un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit un petit peu dans le chat là? Anthony Davis, on va voir, mais c'est bien parti. Ah oui, c'est bien parti quand même, Anthony Davis. Tout à fait. Malheureusement, Kevin Durant n'était pas numéro 1 hein, de sa draft. John C'était Wall, c'est pas sûr. John Wall, c'est pas sûr, non. C'est pas sûr. Non. C'est pas. Tu vois. Andrew Bogut non plus. Non, hein, c'est pas garanti. Voilà. Dwight. Ouais. Dwight, pour moi c'est Hall of Fame. Dwight. Pour moi c'est Hall of Fame. Ouais. Derrick Rose. Kyrie c'est Hall of Fame. Ouais. DeAndre Ayton, c'est pas sûr. Ah non non. C'est... Ah non non. C'est... Faudra voir. C'est en pour parler. Ouais. Ouais. Oh non c'est compliqué. C'est compliqué. Ah bah faudra voir. Ouais. On rentre dans le Money Time, 5 minutes restant. Qui est-ce qu'on a comme autre numéro 1? Andrea Bargnani, c'est vrai qu'il a été numéro 1. Yao Ming a fini Hall of Fame. Ouais, Yao Ming, bien sûr, carrément. Kenyon Martin n'a pas été Hall of Fame. Non. Eddie Curry n'a pas été Hall of Fame. Non. Kwame Brown non plus. Oui, pardon, Eddie Curry, c'était Kwame Brown. Excusez-moi, j'ai mélangé mes pinceaux, mais c'était une très très belle époque. Non, il est pas. Blake Griffin, on verra. C'est un petit peu compliqué pour monsieur Blake Griffin, qui c'est vrai était numéro 1. Magic était numéro 1 de sa draft. Larry était. Non, Larry n'était pas numéro 1. Il était genre 3, 6. 9. Non, vraiment. Hein. Eh ouais, on savait pas trop. Allez 7 voir. Ou 9, ouais, un truc comme ça, Larry Johnson. Larry Bird, pardon. Larry Bird, évidemment. Larry Johnson, lui, il était. Il était 1. Ouais. Il était 1 et je sais pas s'il est Hall of Fame. Hein. Pas qu'il est Hall of Fame. Gagné cette affaire. Mais donc vous le voyez dans l'histoire de la draft, lorsque vous êtes numéro 1, vous avez déjà dans votre camp beaucoup de chances quand même de finir premier. Mais aussi, Alex, on le voit, on a ce soir là des jeunes qui vont regarder la loterie sans être forcément concernés. Mm-hmm. Mais on a des joueurs, Giannis, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, qui peuvent se retrouver à l'avenir Hall of Fame sans avoir été du tout concernés par un top 5 de draft. Ah bah non, Nikola Jokic. Le type est ah deuxième bah lui, tour. Lui, c'était même pas l'émission. Lui, monsieur, on le répétera jamais assez, mais il a été drafté pendant une pub quand même, le type. Ah ouais. Ouais, et pour Taco Bell en plus. Ouais. C'est terrible. C'était un clin d'œil du destin, ça. Mais oui, t'as raison, tous ces mecs-là, Giannis, Kawhi, qui partent de loin. Manu Ginobili, évidemment. Ouais, Ginobili, tout à fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là, un petit peu Dirk. Comme joueur? Évidemment, Steph Curry n'était pas top 5. Non, Dirk non, n'était était clairement pas top, pas top 5, hein, il était Steve 9, 8, Nash. 9, Dirk, ouais. 9. Ouais, Steve Nash, il était genre... Steve Nash est 13. Non, 13, c'est Kobe, donc ah, il oui, est pardon. Genre 15. Ah oui, oh là là. Oh, ouais, Tony. Steve Nash, il est loin. Tony qui va l'être cet été. Ouais. Hein, Tony Parker, premier ouais. Français Hall of Fame. Fin on va de le premier dire, tour, Tony, hein, je crois, 28 ou 29e. Eh oui, 29e, juste avant Gilbert Arenas, hein, dans un autre registre. Ouais.
Beaucoup de joueurs comme ça, on le voit, qui n'ont pas forcément été top 3, top 5 et qui ont bien fini. Paul Pierce aussi, c'est vrai, qui était quand même assez bien drafté, mais pas vraiment dans le top top. 2 minutes 50, nous sommes en direct ici pour vivre cette draft loterie. On le rappelle donc, les places 14 à 4, Alex se frotte les mains. On va voir les places 14 à 4. On va ensuite avoir une pause publicitaire qui va coûter bien cher. Et on va ensuite découvrir le top 3, les 3 équipes qui sont bien parties pour avoir le numéro 1 de la draft. Qui ce sera selon vous? Je refais un petit tour parce que vous êtes quand même, c'est incroyable, vous êtes 15 000. Je tiens à le repréciser. 15 000 personnes à 2h15 du mat. 15 000 à pour avoir une loterie. La loterie de la draft. Tiens, ils sont là. On les voit à l'image. Alors oui, d'ailleurs, je me permets, petite dédicace à un copain, si je ne dis pas de bêtises, Maxime de l'équipe journaliste, qui fait partie des quelques chanceux qui ont été invités, membres médias, à assister au tirage des balles. C'est-à-dire que la NBA, pour éviter toutes les théories, conspirations, etc., ils invitent des journalistes. Attention, bon, c'est journaliste, mais il y a une NBA. Hein. Tu ne vas pas commencer à révéler quoi que ce soit. Hein. Attention, 1 minute 50, on y est. Dernière lampée. À un moment, c'était bizarre. À un moment, il nous a dit fermer nos yeux. Il y avait l'enveloppe Houston, et puis. À un moment, il y a eu l'alarme incendie. Oui. On devait tous sortir. On devait tous sortir. Il a dit évacuer la salle. Il est resté tout seul. Bizarre, on est reparti avec les Pacers. Ouais. Très très bizarre. Tu sais qu'en général, ce genre de plan, c'est rarement pour les Pacers. Oui, c'est si vrai. Si tu peux me permettre. Là, voilà. Si tu prends la liste, c'est pas bravo, Dallas. Pour les personnes. C'est ça, tu vois. Bravo Chicago. Bravo, bien joué. Bravo, Chicago, top 4. Vous êtes 16 000, c'est incroyable. J'en profite pour vous remontrer une dernière fois ce tableau et pour vous dire que si vous avez quelques secondes, vous pouvez télécharger l'application de Trash Talk sur Android et sur iPhone. Vous allez sur l'App Store, vous allez sur Android. Vous allez me télécharger ça, bien évidemment. Vous pouvez foncer sur le site de Trash Talk puisqu'il est tout nouveau, tout neuf. La bascule a été faite. Un grand, grand merci évidemment à David et Julien, notamment de la team Trash Talk. Et un gros bisou à Nico, Giovanni, Ben, Arthur, toute la clique Nicolas qui sont en train de taffer fort, Alex Topin aussi, qui seront là ce soir pour vous envoyer plein plein de contenu. Foncez sur le site, il va être fait pour vous. Alex, on est bon? On est bon, on y va, c'est parti. Tiens, Nicolison. Dallen Terry qui a sorti son il meilleur chandail. Tout le monde. Ouais, magnifique magnifique sweater. Tout à fait. Nico Harrison qui dirigeait Nike, apparemment maintenant il dirige Jason Kidd. Colin Sexton. Ancien des Cavs, aujourd'hui du Jazz. 4,5% de chance d'avoir le premier choix de draft. Tout à fait. Ravi. Wilson Seld, qui lui aussi ne sait pas du tout ce qu'il fait ici. Therese Haliburton, regardez cette classe. Lui, regardez ses contours, regardez ce costard. Qu'est-ce qu'il est fort. Monsieur Jamal Mosley, évidemment, ancien assistant à Dallas, coach d'Orlando. Lui, il est en train de se dire bon, alors attends. Banquero, Wagner, Wembanyama. Bon, écoute, il y a moyen de jouer. Il y a du monde, je vois, il y a plein de gens qui disent ouais. Biroy. Il y a Cassé qui est là. Il y a Kameto qui est dans le coin ou pas? Non? Si? Il y a le raid de Kameto. Allez, incroyable, c'est parti. On c'est est passé avant 3000. Allez, c'est quoi un raid? Bah, ah, c'est oui, Kameto qui dit allez, on y va. Ah, merci, bien, merci mon frérot. Hein, c'est bien. Merci ça. Mon frérot. Ah, cœur sur Kameto, évidemment, incroyable. Ouais. Allez-y, débarquez. Eh, on va vivre la loterie de la draft. Regarde, on a évidemment tous les gens, tous les huissiers. Alors là, c'est tellement blindé. C'est huissiers, postiers. Il y a tout la totale pour bien s'assurer que l'enveloppe, elle est bien ficelée, Alex. C'est parti. Les enveloppes, les voilà. Les enveloppes. Les voilà. Les voilà. Elles sont données, elles sont mises sur le pupitre. C'est exceptionnel. Vous êtes là pour vivre évidemment la loterie de la draft 2023. Tout de suite, les huissiers qui s'en vont. On va accueillir maintenant monsieur Marc Tatum, si je ne dis pas de bêtises, pour accueillir ça. Ou peut-être, voilà. Si, le v'là. C'est monsieur Marc Tatum qui est prêt. Alex. Le grand frère, le papa de Jason et le grand frère de Channing. Et la tante de Channing. C'est parti. Alors. 14e choix. Alors. Alex, tu nous dis Pélican si. Les Pélicans. Les Pélicans sont 14e, ça ne bouge bon. Pas. Tout à fait. Manque de chance pour les Pels. Les Pels, ça bouge pas. Numéro 13, il faut que ce soit. Les Toronto Raptors. Ouais. Pour c'est le moment, bon. On est bon. 13e, les Raptors. Numéro 12. Allez, Bulls pour le Magic. Normalement, les 12. Alors. Oh. Comment ça, no surprise? T'étais sûr? On verra. On va voir après. Est-ce qu'on a les Bulls derrière là? J'ai peut-être inversé un truc, c'est des fois il y a des pourcentages. Oui, ok, c'est bon. Non, tout va bien. Donc là, normalement, pas on est de panique. Ok, donc OKC, désolé pour le rêve.
Ça ne passera pas. Non. Attention, est-ce que c'est Dallas? Dallas. Dallas est en 10. Dallas pas de montée de Dallas. Monté. Et donc Dallas va pouvoir normalement conserver son pick. Tout à fait. Rien ne bouge. Pour moi, on est bien. Ah, on numéro est bien. 9. Et là, ça va commencer à chauffer. Alex, normalement, c'est le Jazz. Utah est 9. Jazz. Allez. On y croit. Numéro 8. Normalement, c'est Pacers. Oh, pop, les Wizards. Ah non, peut-être pas. C'est peut-être parce que c'était la même inversion. C'est la même inversion que tout à l'heure. Attention, 7ème. C'est bizarre, c'est. Ah oui, c'est ça. Les Pacers. Ok, non, ça bouge pas. Okay, pour le moment, on ne bouge pas. C'est bizarre, j'ai l'inversion. C'est les pourcentages proches. Là, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas. Numéro 6. Magic, c'est normal. Et là, en 5, on doit avoir les Blazers normalement. Là, les fans des Blazers, ils sont comme ça. Ils croisent tout. Numéro 5. Croisez tout, les fans des Blazers. C'est maintenant. Faut tout croiser. Les Pistons. Oh, là, les Pistons. Oh là là, les Pistons qui se font avoir. Oh là là. Oh, les là, Pistons les qui Pistons. Ont chié toute la saison, ils sont top 5. Oh. Oh là là. Oh la violence. Oh la violence. Ça veut dire qu'il nous reste 4 places pour Houston. Les Blazers sont comme ça là. Ils sont. Captain William. Fais chier. Nous avons donc Portland, Houston, San Antonio et Charlotte qui rentrent dans le top 4. Ça veut dire que moi, meilleur net sont Portland dans le top 4. Monte. Portland vient monter d'au moins 5, une place. Tout à fait, ils montent dans le top 4. On a San Antonio et Houston qui restent dans le top 4. Et on a donc les Hornets. Charlotte aussi qui restent dans le top 4. Tout à fait. Quelle terrible déception, Alex, pour les Pistons. Les Pistons qui ont fait de la merde absolue toute la saison. Et tu te retrouves hors du top 4. Hors du top 4, alors que tu faisais partie des 3 équipes qui avaient le plus de chances d'être dans le top 3. Moche. Très 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 compliqué pour nos amis de bon, Détroit. Bon, les scouts des Pistons, hein, vous pouvez commencer à regarder. Camo Whitmore, Amen Thompson. Ouais. Alors juste une petite dédicace. Brandon Miller. Ouais. Petite dédicace à Troy Weaver qui avait plein de coachs qui étaient chauds pour devenir coach. Allô. Allô. Ouais. Allô. Ouais, c'est clair. Allô. Je comprends pas, il est sur messagerie Nick Nurse. Allô. Je. Oui, Jacques. Oui. Frank Vogel. Pourquoi je tombe sur messagerie depuis tout à l'heure? Merde. Ah non! Les gars, je comprends pas, Don Loser, il me répond plus là! Dwayne Casey qui lui envoie MDR. Ah là, c'est débat. Là, c'est débat. Attention, ouais. Incroyable. Là, la c'est tête chaud, de Dwayne Casey doit être comme un. Et puis là, à Portland, ils sont comme ça. Vas-y, la pub, c'est bon la pub là, dégage la pub là. Dwayne Casey doit se taper tellement des grosses barres. Tiens, serre-moi une grenadine, Gisèle. Je suis content, moi. Je suis bien content. Top 4. Je pose tout de suite la question. C'est clair, il est comme ça qu'il fait. Moi, Cam Whitmore, j'aime bien. Moi, je le trouve bon. Alex, reconcentrons-nous. Vous êtes 22 000, c'est incroyable. Merci, Kameto, pour le petit raid, ouais, c'est l'énorme clair. Raid. Je pose la question. Mesdames et messieurs, Houston, San Antonio, Charlotte, Portland. Qui repart avec le numéro 1 de la draft? Alex. San Antonio. Charlotte. Ah ouais, Charlotte. Ça peut être sympa. Hein. Charlotte. Moi, je dis pas non. Allez, je reste sur nos amis les Hornets. Évidemment, au maximum, ne vous spoilez pas. Ça va aller dans tous les sens. Si ça se trouve, Shams va nous tweeter voilà, ça si dans deux secondes. Blazers, et moi, je retourne mon téléphone. Ah oui, non, moi j'ai enlevé les. Normalement, je l'ai enlevé. Hein. Ouais. Portland, en tout cas. Portland, non, quel travail, Alex, de Portland en fin de saison. Il est en plateau, là, le Vosges, là-haut. Portland, Alex, nous a fait une fin de saison avec du tanking. Ah oui, très propre. Ah, ils ont dit Lillard, tiens, viens me voir, Lillard. 26 février, tu sais quoi? Tu vas prendre tes je sais pas combien de millions par mois là, mais tu vas rester chez toi. Est-ce que t'as un album à enregistrer? C'est le moment. Si t'as une mixtape, c'est l'heure. Non, mais reviens le 15 mai. Tout à fait. Portland monte. Charlotte ne craque pas. Donc pour Charlotte qui est en pleine transition, notamment avec ses histoires, comme on l'a dit, de Michael Jordan, où il y a des incertitudes au niveau du management, et on va voir évidemment comment ça se construit autour de la Melo Ball, il y a une opportunité là. Pour San Antonio, l'enjeu il est maximal. On est sur une transition totale. On a vu, out les années de dynastie, reconstruction totale. On ne sait pas si Popovich va rester ou ne restera pas. Ce qui est sûr, c'est que là ils sont dans le top 4 San Antonio. Et enfin Houston. Houston va peut-être faire la nique à tout le monde. Excusez-moi de l'expression, mais les Rockets font partie des équipes qui ont été les plus critiquées. Et si ça se trouve, les Rockets vont finir avec le jackpot. Ah, les Rockets avec le jackpot, ça serait énorme. Là. Ah bah après, on fait Jalen Green et Jabari Smith. Et là, Udoka. Et alors, Boston, hein, c'est comment? Allez, on y va. Bonne chance avec Mazzulla. Voilà, toutes les intérimaires dans mon bureau, on y va. Désolé, mais bon, il met Udoka en même temps, il tend la perche. Oh putain, c'est parti. C'est parti, allez. Mesdames et messieurs. C'est l'heure du top 4. Alors,
toute la hype. Là, on nous montre autour de LeBron. Un petit jeune. On va savoir, messieurs dames. C'est pas mauvais. Ah, on va savoir. Les images de LeBron au lycée, c'est tout le temps une dinguerie. À chaque fois que je les vois, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible. Allez. Voilà. Moi, je veux trop Charlotte. Je veux trop Charlotte. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc là, pour le moment, moi, je suis content. La logique statistique voudrait que en 4, on ait Portland, que les Hornets se décalent et qu'on ait une bataille entre Spurs et Rockets pour le spot 1. Normalement. C'est la logique statistique. Normalement. Non, mais statistique. Normalement. Mais on le sait. Il s'en passe des surprises. Et les fans des Pistons sont en rage quit. J'ai reçu un texto de Wax qui m'a dit tout à l'heure, je ne pourrais pas regarder, mais j'espère que vous m'enverrez toutes vos forces. Mm-hmm. Je suis désolé, mon frérot. Mais en fait, tu vas drafter pas du tout Victor Wembanyama. Alors que là, on le voit avec sa famille. Gros selfie. Voilà. 1, 2, 3. Hornets. Allez. Consensus top prospect. Allez. C'est beau. Ah bah oui, là, c'est planétaire. Mesdames et messieurs, dans les 2 prochaines minutes, vous allez vivre l'histoire. C'est parti. Il y a eu Doka. Quelle franchise, tout à fait. Quelle franchise va drafter Victor Wembanyama en premier choix de la draft 2023. Si B-Roy repart avec Wembanyama. Alex, c'est parti. Attention. Oui. Numéro 4. Fourth pick. Les Rockets. Les Rockets qui se font niquer. Oh, oh, les Rockets qui se font avoir. Allez, ça dégage. Oh. Oh, les Blazers là. Attention, les Blazers sont en train de faire une remontée là. Ah. Les Blazers qui se font avoir. C'est entre San Antonio et Charlotte. C'est entre San Antonio et Charlotte. C'est entre San Antonio et Charlotte. Le 2. Il retourne à San Antonio. C'est Wemby les Spurs. À San Antonio. C'est Wemby les Spurs. À San Antonio. Wemby de retour à San Antonio. Let's go. Let's go. Incroyable. Let's go. Yes. Ok. Victor Wembanyama. L'histoire Boom. Se réécrit. Après Tony Parker. Après les années Spurs Surtout de après Tony. Après Duncan. Waouh. Après Tim Duncan. Incroyable. San Antonio repart avec Wemby. Ouais, il marche bien ton porte-bonheur là. Folle. Comment il s'appelle ton gars? Peter Holt. Peter Holt. Peter Holt, c'est le junior si je dis pas de bêtises. Incroyable, les Spurs qui vont repartir avec Victor Wembanyama, c'est énorme. San Antonio 87, numéro 1 de la draft avec David Robinson. Tim Duncan, numéro 1 de la draft en 97. 25 ans plus tard, Alex, les Spurs repartent avec Wemby. Wemby aux Spurs. Incroyable. 26 ans plus tard, c'est clair, c'est ouf. Putain, yes. Ah, c'est bon ça, incroyable. Incroyable. Incroyable, incroyable. Mais je vais essayer de vous montrer avec Jérémy Swan. Incroyable. Ah bah ouais, ça va être parfait, ça va être parfait. Je vais essayer de vous montrer le petit tableau final s'il a été tweeté par mon ami Nico, si je dis pas de bêtises, on va voir. Mais regardez, elle est pas belle cette photo. Magnifique. Incroyable. Ah, mesdames les et messieurs, sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Oh. Regardez, Wemby avec les Spurs, Wemby avec Greg Popovich, Wemby solo les clés en main, mais le massacre. Oh, voilà. Le massacre. Là, oui, mesdames et messieurs. Je suis obligé, là, je vais poster Boom. L'un de mes gifs préférés. C'est ça. Je vais essayer de vous montrer justement ce que ça donne au niveau du gros tableau, mais c'est incroyable. Et on a Brian Windhorst qui est là, évidemment, avec Victor Wembanyama. Incroyable. Wemby aux Spurs, Alex. Wemby à San Antonio. Le retour de la French Mafia. Incroyable. Incroyable, San Antonio qui repart avec Victor Wembanyama, c'est complètement fou. Les réactions à chaud là, je regarde un petit peu les gens. Et oui, il est à l'Ouest. Alors c'est sûr, Wemby est dans la conférence Ouest, c'est comme ça. Mais il est hyper content. J'écoute un petit peu. Il va pas oublier ce jour pour le restant de sa vie. À Windhorst, il est à Paris là. Ouais. J'adore, ils se viennent, ils me font triper moi. C'est un joueur d'équipe, il va faire tout ce qu'il faut pour aider sa franchise à gagner et il veut que son équipe gagne ASAP. Incroyable! Mais n'empêche, incroyable! Hein. Ça change tout hein, pour San Antonio, là, ça construit bien leur raquette. Hey, je suis trop chaud, je suis trop chaud. Hey, envoyez donc, les tromperies en 30 jours là. Spurs, envoyez la tromperie en 30 jours. C'est pour le 16 octobre. Envoyez les tromperies en 30 jours. Le 17 alors, au matin. Les Spurs, ouais. 57 victoires. Matin. Putain, on est chaud, mec. On a San Antonio, on a Wemby. Il y a Wemby qui l'a récupéré. Bam! C'est ça qui est bon. Je vais essayer de voir si on a la loterie qui vient de tomber. Regardez, magnifique. Merci Nicolas Vrignot. Je vous magnifique. Remontre. L'ordre de la loterie, le voici. Donc ça n'a pas bougé, Alex. Des places 14 à 6. Hein. On non. a bien évidemment Pels, Raptors, Thunder, ça a Magic, commencé Mavs, à merder Jazz, en 5 Wizards. Pour les Pistons. Et c'est ça, Détroit qui a démarré la dégringolade avec donc cette place en numéro 5. Houston, qui y croyait très très fort, est top 4.
Portland 3e, Charlotte finit à une petite place de son rêve. Ils auront peut-être la possibilité de prendre du Scoot Anderson, évidemment. Et les Spurs qui repartent avec le premier choix. C'est incroyable. Premier choix de draft. C'est fou. Incroyable. Trop bien. C'est en fou. Plus, ça va pousser Pop à rester. Là, j'ai tweeté mon petit gif préféré. Yes, oui, oui, c'est monsieur. Exactement ça. Oui, t'as vu, c'est bon ça. Incroyable. C'est Pop, il est là, il arrive. Parce que là, attention. Mine de rien. Oui. Je sais que Popovic, il a 72, 73 ans maintenant. Ouais, tu vois, ouais. Donc il va pas, être éternel sur les bancs. Mais pour Victor Wembanyama. Faire une première saison. Pardon, excuse-moi. Ah bah oui, bonjour, je m'appelle Jérémy. Et toi ? Bonjour, je m'appelle Jérémy. C'est et bon toi, ça. Incroyable. Hey, tout San Antonio va se mettre à tweeter en français. Ah bah là, là. Waouh, wow, tu disais, excuse-moi. Non mais pour Victor Wembanyama débarquer dans cette franchise qui a quand même des Spurs, qui a quand même une culture du joueur international assez prononcée quand même depuis pas mal d'années, avec un coach comme Popovic qui a coaché plein de joueurs internationaux, parce qu'on pense beaucoup à Tony Parker, mais je veux dire Manu Ginobili, Thiago Splitter, Fabrizio Oberto, et ça, Bellinelli, Patty Mills et compagnie. Donc il aime bien les joueurs internationaux, et pour Victor Wembanyama de faire ses armes dans ce type d'environnement, avec autant d'expérience autour de lui et pas mal de jeunes joueurs, c'est une opportunité incroyable. Franchement, c'est cool. Petit marché. Et regarde comment il est content. Ouais, il, ouais, est il tellement est content. Content. Je pense pour les Spurs, c'est bien. C'est super. Ah, la réaction de Wemby est géniale. De voir justement ça, c'est absolument exceptionnel. Oui, c'est énorme. Je suis obligé de couper parce que bon, quand même, là, le Nuggets, Nuggets Lakers, maintenant, ça passe au second rang. C'est assez fou. On va voir Wembanyama avec les Spurs à San Antonio. C'est complètement dingue. Alors, ça veut dire, oui, qu'il n'est pas sur la East Coast. On va avoir évidemment les matchs plutôt à 2h, 2h30. Mais ça veut dire, excusez-moi, le maillot Fiesta avec Wembanyama dans le dos. Le maillot Fiesta avec Wembanyama dans le dos. Le côté, l'occasion pour lui d'écrire l'histoire dans la même franchise qu'un très grand joueur français, ouais. Le plus grand joueur français de tous les temps à aujourd'hui, tu vois, Tony Parker, c'est quand même pas rien. Complètement. Donc là, il peut aller, non pas marcher sur ses traces, enfin si, marcher, mais marcher dessus, tu vois. Non mais, c'est ça le truc. Ouais, bien sûr, c'est bien assez sûr. Fou, le challenge est complètement dingue le challenge pour est Victor Wembanyama. Et au niveau de l'environnement, moi, tu vois, dans le top 5, ouais. Moi j'aime bien l'environnement Spurs, hein. Ça me va bien. Ah mais moi je suis très très hype, il n'y a pas de problème. Je vous remontre une dernière fois lors de cette loterie, parce que nous on va devoir enchaîner. Qui a perdu là? Ouais, Rockets Pistons. Ouais, Pistons et Rockets, c'est Pistons, la merde. Ouais, c'est la merde. T'es top 3, t'es top, t'es même pas Hornets top 3. Et Blazers, mine de rien, c'est une belle progression. Ah, c'est oui. Cool. T'es content, hein, t'es content. Ouais, c'est cool. Bien évidemment, la victoire revient à San Antonio. Grosse défaite pour les Rockets et les Pistons. Nous, Alex, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on va basculer après nous sur le match entre Nuggets et Lakers, qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça, évidemment, dans les prochains jours. Victor Wembanyama a de fortes chances d'être drafté par les Spurs en numéro 1. Ce sera le 22 juin. Vous êtes 22 000. On espère que vous serez 22 000, évidemment, Alex, bien le 22 sûr, juin. Bien minimum sûr, avec pour tout ce qui va grand se moment. Passer et tout, bien sûr. Ça va être assez extraordinaire. Un petit mot de la fin, bah, peut-être. D'ici là, on va faire des profils de joueurs. Ah, oui. Parce qu'on ne va pas parler que de Wembanyama, donc on va s'occuper de toute la draft. On va bien aussi sûr. S'occuper de continuer à suivre toute la fin des playoffs. Enfin bref, il y a tout un petit programme quand même un peu sérieux qui nous attend. Exactement, donc un voilà. Programme incroyable. On vous fait plein de bisous. Merci à Léonce pour le setup. Merci à tous celles et ceux qui ont balancé des subs. Victor Wembanyama aux Spurs, ce n'est qu'une question de semaine. On vous fait des bisous. Merci à tous. À très vite. C'était cool. Évidemment, merci. Sur Trash Talk, des bisous. Ciao. Ciao. Ciao.